1819. Max Schattenferber est l'un des premiers élèves à s'inscrire au Bauhaus. Un événement fortuit va éveiller son intérêt pour les ombres colorées. Lors de la préparation d'une fête, le jeu des lumières et des ombres produites par des ampoules de teintes différentes lui fait découvrir ce phénomène. Avec son ami étudiant Ludwig Hirschfeldmark, il approfondit l'étude et les recherches sur ce principe étonnant de la couleur des ombres. Avec cette méthode, il quitte le terrain de la peinture religieuse afin de créer son expression artistique personnelle. Alors, la question se pose. Aujourd'hui, la peinture est-elle encore nécessaire comme facteur d'expression du plus grand nombre? Doit-elle être remplacée par un nouveau moyen d'expression de l'image et de sa création? Par une image de lumière en mouvement? Realisiert Nam June Paik seine ersten Filme mit einer der neuen tragbaren Filmkameras und zeigt sie, ein paar Stunden später nur, in einem New Yorker Café. Video ist ein technisches Mittel und nicht ein Stil oder eine Tendenz. Die Künstler verwenden es auf sehr verschiedene Arten. Sie integrieren Leinwände in Ausstellungen, Performances und Installationen.